c'est fantastique qu'il y ait des lieux comme cela pour qu'on puisse, encore une fois, dépasser peut-être des passions qui n'ont pas lieu d'être. Et je dirais que les passions sont présentes parce que justement, nous n'avons pas l'intelligence parfois de s'arrêter, de regarder le passé, réfléchir intelligemment. Le passé permet aussi de réfléchir au présent, bien sûr. C'est-à-dire, effectivement, nous pouvons dénoncer le système économique qui avait été mis en place en prenant comme esclaves des personnes qui venaient du continent africain. Mais on peut aussi réfléchir aux injustices qui existent dans notre société et notamment l'esclavage qui existe encore dans notre société. Je crois que chaque génération devra faire un travail de réflexion sur la société dans laquelle il vit et quelle société elle veut pour demain. Donc voilà, c'est vraiment réfléchir sur les injustices, parce que l'esclavage, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est une très grande injustice. C'est l'exploitation de millions d'hommes par une minorité encore. Expliquer que l'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes, mais c'est avant tout un système économique. Et donc, nous devons aussi être assez intelligents pour questionner notre société aujourd'hui, pour améliorer les choses.